bitch, you make they me call me Superman. Deep tall hoes in a single bound. I'm single now, got no ring on his finger now. I never let another chick bring me down. And et donc, salut tout le monde les gars, c'est Taze Wojtek, j'espère que vous allez bien. Écoutez les gars, pour ma part, ça va vraiment super. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau gameplay, un nouveau commentaire sur la chaîne de la Taze Clan, en espérant que cela vous plaise. Donc je suis désolé, je peux pas vous donner plus d'informations sur le gameplay. Voilà, c'est un commentaire à l'aveugle qui aura sur un super gameplay, de toute façon j'en suis sûr. Donc voilà les gars. Et dans cette vidéo, voilà, je voulais tout simplement parler des 5 plus gros braquages jamais commis jusqu'à maintenant. Donc voilà, le premier se déroule, enfin le cinquième, à l'aéroport d'Amsterdam. Voilà, ce braquage est considéré comme un braquage à la va-vite, voilà, qui a quand même remporté une bonne grosse somme d'argent. Leur méthode était simple, voilà, 4 hommes ont tout simplement réussi à se procurer 4 uniformes de la compagnie aérienne. Et ont tout simplement volé un fourgon rempli de diamants pour une valeur quand même estimée à 60 millions d'euros. Voilà, c'est quand même un bon gros bulletin. Voilà, les mecs, ils ont été sans volant, sans rien. Ils ont juste piqué 4 uniformes. Voilà, le mec, il y va comme si avec sa bite et son couteau, tu vois, il y en a assez, tu vois. Le mec, il prend ça, il se déroule, pop, 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 il prend le fourgon et il se tire. Et voilà, 60 millions dans la poche, ils ont rien fait. Donc voilà, les gars. Et on poursuit directement à la quatrième position. On embarque pour Londres. Voilà, Valerio Vincel. En 1987, Valerio quitte l'Italie car il est recherché pour plusieurs vols. Et voilà, il décide de s'installer à Londres. Tu vois le mec tranquillou. Et l'histoire de se refaire les poches, bah il fait quoi? Et bah là, la merveilleuse idée de bah, tout simplement de voler. Voilà, le coffre de Meeting. Voilà, excusez-moi les gars, à Londres. Et tout simplement, il arrive à se mettre dans les poches, les gardiens, les surveillants, il arrive à se mettre tout dans les poches, voilà, je sais pas comment il fait le mec, mais voilà. Et tout simplement, il braque la banque et il repart avec un butin de 150 millions d'euros, voilà, un bulletin juste énorme. Mais malheureusement, un mois plus tard, il se fait coincer à cause des empreintes laissées, tout simplement, à la banque, voilà, c'est un petit peu con, le mec, franchement, il a... Moi, quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu ça, je me suis dit, putain, le mec, il est vraiment con, quoi. Donc voilà les gars. À la troisième position, nous allons à la banque de Bagdad. Voilà, les employés tout simplement ont profité de leur statut, voilà, pour s'introduire dans les coffres-forts, voilà, enfin au coffre-fort de la banque, et ont naturellement tout pris. Ils n'ont rien laissé, même pas un centime, et sont repartis avec la somme de plus de 200 millions d'euros, voilà, tout simplement. Et jusqu'à maintenant, les voleurs sont toujours en liberté, la somme n'a toujours pas été retrouvée. Et à mon avis, je peux vous dire qu'ils sont tranquillement sur une île ou autre. Et ils sont bien pépères. Et on se retrouve à la deuxième position cette fois-ci. Ce n'est plus une banque, mais un musée. Donc voilà, c'est deux personnes qui ont réussi à se déguiser en agents de policier et à berner tout simplement les agents de sécurité, mais avant de les neutraliser. Et là, ils avaient tout simplement... le musée à eux tout seuls, ils avaient été tranquillement, ils ont choisi les œuvres les plus chères et sont partis avec 12 œuvres d'une valeur de plus de 300 millions d'euros. Donc voilà, c'est juste énorme. Et on arrive tout simplement au plus gros braquage de tous les temps. Donc il était tout simplement réalisé par le fils de Ben Laden en 2003. Il a eu la merveilleuse idée de s'attaquer à la Banque Nationale d'Ukraine, où il dévoile le jackpot à, écoutez bien les gars, 1 milliard de dollars. Voilà, c'est juste énorme. Mais sauf que 2 mois après, il se fait tuer. Voilà, moi à sa place, franchement, j'ai 1 milliard. Non, c'est 1 milliard. Rien qu'un million, tu vois, t'en as assez. Mais lui, il a 1 milliard. Il fait quoi? Il reste dans son pays tranquillement. Il attend que les bombes tombent dessus. Toi, tu fais quoi? Tu te barres, tu t'achètes une île et voilà. T'es tranquillement en train de te faire bronzer. Non, non, non. Lui, il s'en bat les couilles. Cependant, voilà, l'armée américaine a réussi à retrouver 650 millions sur les 1 milliard, tout simplement. Volé et
et le restant est toujours en liberté. Donc voilà les gars, la vidéo touche à sa fin, j'espère que mon commentaire vous aura plu, que le gameplay vous aura plu. D'ailleurs les liens des deux chaînes seront dans la description. Et je te dis, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne de la Taze Clan, mais si tu t'abonnes, n'hésite pas à activer les notifications pour être au courant à chaque fois qu'on met une vidéo en ligne. Le gros pouce bleu qui fait super plaisir et les commentaires qui sont là également pour faire plaisir. Et je vous dis ciao, bye bye les gars, c'était Wojtek sur la Taze et peace les gens.